Bon voilà, là, nous sommes le lundi 13 février et je vous fais une petite vidéo qui sera utile pour ceux qui seraient, qui verraient leur véhicule, leur véhicule emmené à la fourrière demain matin parce qu'ils les auraient garés sur... Ils auraient garé sur le parking alors que l'accès avait été signalé, comme vous pouvez le voir sur ce panneau, interdit. Voilà. Il est interdit parce qu'en principe, demain matin, il y a le marché et comme il y a des travaux de voirie, le parking sera est interdit demain matin. Alors, comme vous pouvez le voir, le constater, les panneaux sont installés à l'entrée du parking qui est inaccessible car on vous fait rentrer de l'autre côté, c'est-à-dire par la voie qui amène à la société nautique, où il n'y a absolument pas de panneau indiquant que le stationnement est interdit pour demain matin. Alors voilà, si vous comprenez quelque chose, c'est bien. Moi je trouve que c'est une grossière erreur. Les gens qui auront leur voiture demain matin amenée à la fourrière pourront utiliser cette vidéo comme preuve de façon à réclamer le remboursement des frais de fourrière, du taxi pour aller à la fourrière, ainsi que des non-paiements, de faire en sorte de ne pas payer le PV qu'on vous aura dressé. Voilà. Donc, je répète, donc vous êtes théoriquement prévenu que l'accès, le parking est interdit au stationnement demain matin, avec des panneaux qui sont installés à l'entrée du parking. Et cette entrée, toute la matinée, était interdite d'accès compte tenu des travaux qu'il y avait. Voilà. Je ne sais pas si c'est assez clair. Je mets la vidéo telle qu'elle. Ça pourra servir de preuve pour ceux qui auraient été... aurait subi des dommages et des inconvénients pour porter ce manque d'informations. Voilà, encore il n'y a aucun panneau là-bas indiquant que le parking est interdit de marcher.